Bonjour, c'est Nicolas, je vous présente le HTC One X, donc écran de 4,7 pouces, un processeur de 1,5 GHz avec 4 cœurs, 32 Go de mémoire pour le stockage et 1 Go de RAM. Donc appareil très complet sous Android Ice Cream Sandwich avec interface HTC Sense. Donc interface très rapide, le constructeur travaille toujours encore sur des mises à jour, l'appareil est tout récent. On voit une belle fluidité pour démarrer les applications, c'est pareil. Pareil, les mails. L'appareil photo, quelque chose d'intéressant, c'est le mode rafale, 20 images, prise de 20 images. Donc comment on va bouger un peu. Hop, hop, ça s'enregistre en moins d'une seconde et on retrouve toutes les photos que j'ai prises ici en bas. Pour supprimer, c'est très simple. Vous avez l'aperçu général, vous sélectionnez vos photos à supprimer. Très rapide, supprimer. Et c'est parti. Pareil dans le menu des applications. Très rapide. On démarre YouTube. Bon là j'ai mis en mode avion pour pas être embêté parce que je reçois beaucoup de messages. Mode multitâche pour fermer une application. On la glisse vers le haut. On voit que c'est très bien géré. Donc là le service d'horloge avec la météo intégrée. On peut zoomer directement dessus. Mettre en plein écran. Donc téléphone très sympa, surtout très léger, 130 grammes. Le design, bon, seul petit bémol, c'est peut-être l'appareil photo qui dépasse un petit peu. Sinon, très bon produit. Je recommande pour ceux qui hésiteraient à se lancer sur un produit de cette gamme-là. Bonne journée.